Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans notre guidance hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir, l'énergie collective, voilà les conseils et aussi donc pour tous les domaines, donc d'une manière générale, tous les domaines seront font partie de cette partie-là, en tout cas de la guidance. Et sur une deuxième partie, on va découvrir tout ce qui est sentimental et relationnel. On va faire un tirage tarot et un tirage aussi également avec un oracle sentimental. Alors déjà, mes amis, par rapport aux énergies de la semaine à venir, déjà, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Alors, la première carte, c'est la carte de l'indécision. Alors, peut-être que sur la semaine à venir, certains d'entre vous, vous allez être dans une situation dans laquelle il va falloir trancher, il va falloir choisir possiblement des démarches, peut-être dans le domaine relationnel, sentimental, peut-être aussi au niveau de la carrière, les études. Donc, il va y avoir des décisions, moi, je dirais, des décisions importantes, voilà, à prendre pour la semaine à venir, les décisions importantes, pardon. Alors, avec la carte indécision ici, peut-être il y a cette idée d'un carrefour par rapport à une situation. Voilà, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me mets en action, est-ce que je dois attendre, surtout que là ici on a la carte de l'action. Peut-être donc attendez-vous à une semaine qui va être plutôt décisive d'après ce que je vois ici. On a la carte du Yin et du Yang qui pour moi c'est une carte d'équilibre. On voit, on a doublement le chiffre 2, on a la carte 22 ici. Qui va nous parler encore de choix et de décision, de dualité, le fait peut-être de se positionner par rapport à une situation, le fait de se positionner par rapport à deux personnes, pourquoi pas. Avec la carte de l'action, c'est que ça va bouger. Voilà, c'est une semaine qui va peut-être démarrer avec beaucoup d'action, peut-être pour certains, c'est une semaine qui va mettre le temps hein, pour le reste des semaines du mois, possiblement pour, pourquoi pas, à la fin de l'année. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez, voilà, démarrer j'entends entreprise, mais des démarches d'une manière générale, voilà, par rapport à des projets, par rapport à un déménagement, des études, la carrière, etc. Mais en tout cas, que c'est une semaine qui va demander peut-être, je dis, certains efforts pour certains, oui, mais j'ai envie de dire que c'est une semaine dans laquelle il y aura pas mal de choses qui vont bouger. Et là, je regarde un peu, on a la carte du changement, je vais y arriver après, mais aussi, on a la roue de fortune ici avec la carte tarot. Alors, avec l'oracle de la liasquée, donc il est question de nouvelles. Il est question peut-être pour certains d'entretiens. Alors, entretien professionnel, entretien peut-être avec une assurance, avec une banque, un coup de fil attendu de la part de quelqu'un peut-être que vous attendiez ou que vous êtes en train de communiquer pour, depuis un moment pour les personnes possiblement qui sont en rencontre ici. Et surtout, je dirais que c'est quelque chose peut-être qui a été prévu pour la période de l'automne. On a la période de l'automne ici. Alors, peut-être que ça a été un rendez-vous, quelque chose de ce genre-là. Mais ça pourrait m'indiquer ici également que cette situation, elle pourrait continuer jusqu'à la fin de l'automne, pratiquement. C'est marrant parce que là, je me rends compte, ces deux cartes-là, c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées ici avec le nœud normand. On a la fin et on a l'union. Donc, peut-être que, je dirais, on va mettre un terme à un contrat, à un accord. Peut-être ici, pour certains, il y a eu une fin récemment. Moi, je dirais que c'est quelque chose, c'est une énergie qui est déjà présente hein, pour certains d'entre vous. C'est peut-être, voilà, il y a eu un licenciement, il y a eu, on met fin à un contrat de location parce qu'on a envie de déménager, on a envie de partir ou d'aller ailleurs. Maintenant, ça pourrait être ici par rapport à nos relations, en tout cas un couple peut-être officiel. Possiblement pour certains, c'est pas vous directement, c'est que vous allez apprendre des nouvelles
de quelqu'un dans votre environnement, peut-être quelqu'un qui a mis ou qui va mettre un terme à une relation, à un contrat, quelque chose de ce genre-là. Parce qu'on a quand même l'administratif avec cette carte-là et on a cette idée de savoir et connaissance. Donc, on va apprendre des choses par rapport à cette union-là, cet accord peut-être qui va prendre fin. Alors avec ces deux cartes-là, c'est tout simplement, on va vous demander de garder foi. Voilà, ici, on a la carte de la spiritualité qui va nous parler de la foi, qui va nous parler de la patience, qui va nous parler aussi également du fait de faire confiance à la suite des choses. Peut-être aussi, pour certains, ça pourrait être un engagement spirituel, pourquoi pas. Vous avez eu certaines pratiques ou certaines choses, peut-être que vous voulez changer, que vous voulez faire autrement. On voit qu'encore une fois, c'est une semaine de décision, peut-être dans laquelle il y aura pas mal de choses qui vont changer. Possiblement d'ailleurs dans votre vie quotidienne, comme par exemple le strict minimum dans les habitudes, dans les routines d'une manière générale. Avec cette carte-là et ces deux cartes-là également, j'ai cette idée de secret ou peut-être d'une information qui a pu être, je dis pas forcément cachée, mais c'est pas quelque chose que vous avez appris pour l'instant. Donc possiblement, je dirais peut-être vers la fin de la semaine à venir, il y aura quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez peut-être conscientiser finalement. Peut-être une information de genre, par exemple, vous allez entendre parler d'une opportunité dans une entreprise ou à travers un ami, une amie, quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider, une information concernant, je dirais, des études, des formations. Si vous êtes en recherche par rapport à un logement, ça pourrait être cette information-là qui va être découverte pour vous, voilà, pour que vous puissiez, pourquoi pas, vous mettre en action par rapport à ces démarches-là. Mais en tout cas, on voit que c'est une semaine qui va bouger pas mal pour voilà, les démarches, les accords, les réconciliations aussi également, peut-être après une période dans laquelle il y avait eu un manque de communication. La transformation, c'est toujours, il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors, donc, si jamais vous allez décider de mettre terme à une situation, donc apparemment, vous vous préparez pour quelque chose de nouveau. Maintenant, avec l'oracle des miroirs, c'est pour ça, en fait, je sentais que ce sont des énergies positives parce qu'on a quand même pas mal de cartes positives. Donc, même si c'est une fin pour certains d'entre vous, moi, je pense que c'est quelque chose de positif. Et en plus, je sentais que pour certains, ça a été guidé, cette décision-là. C'est une décision, voilà, qui a été, je dirais, peut-être vous êtes intuitive ou voilà, vous communiquez un peu avec vos guides, avec l'au-delà, avec, voilà, ça dépend encore de vos croyances également. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a eu la victoire avec le changement. Donc, également, ici, on est plutôt sur une période positive par rapport à un changement. Peut-être ici, c'est une victoire sur une situation qui vous a tracassé. Alors, peu importe le domaine ici, ça pourrait être relationnel, ça pourrait être, par exemple, un manque financier. Et là, maintenant, la roue, finalement, elle va commencer à tourner, ça va changer. Ça pourrait également nous parler d'un, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai vu les démarches administratives et des fois, la carte yin et yang, ça me rappelle un peu tout ce qui est juridique également, tout ce qui est la loi. Donc, ça pourrait être ici un procès qui pourrait aboutir positivement par rapport à une situation, un litige par exemple, quelque chose de ce genre. Mais là, préparez-vous tout simplement à rentrer dans une période assez positive. Mais c'est une période qui va nécessiter certainement pas mal de changements. Voilà. Alors, avec ici la carte conseil, on a la gratitude encore une fois. Je pense que j'ai tiré cette carte, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Alors, je vous relis quand même le message parce qu'apparemment, c'est très important puisque ça revient. On vous dit « La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. » Donc voilà, si vous désirez de l'abondance, si vous désirez de la prospérité, attirer de l'harmonie dans votre vie, attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, peut-être un changement positif par rapport à une situation, et bien déjà, commencez par exprimer votre gratitude par rapport aux choses que vous avez dans votre vie et que vous appréciez. D'accord ? Comme ça, vous allez pouvoir petit à petit attirer tout ce qui est positif dans votre vie. On a quand même la roue de fortune, encore une fois, c'est un arcane majeur ici avec cette carte qui va nous parler d'un changement, qui va nous parler tout simplement d'une situation peut-être qui évolue dans le temps. Il y a aussi une notion de destin avec cette carte, une notion de synchronicité divine. Donc attendez-vous peut-être pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a certains d'entre vous, vous allez peut-être être surpris, mais positivement, par rapport à comment les choses évoluent ou vont évoluer dans une situation particulière. Peut-être c'est quelque chose
chose que vous n'attendiez pas et possiblement vous allez être positivement surpris ou surprise. En tout cas, la carte, elle vous dit une période de changement positif. C'est exactement la même combinaison de cartes que j'ai là. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Voilà, ça c'est pas mal. Avec le Normand ici, on a la carte du cercueil, l'anneau et la lune. Donc ça va nous parler, moi, mon premier ressenti, c'est qu'on va briser un cycle. Peut-être un cycle d'habitude, un cycle émotionnel dans lequel il y avait eu beaucoup de négativité, beaucoup de déception. Alors soit c'est pour vous directement, mais ça pourrait être pour quelqu'un dans votre environnement. En tout cas, il va y avoir, si vous voulez, une forme de routine ou un cycle répétitif dans lequel on a été piégé dans une situation possiblement qui nous a mis vraiment à plat par rapport à votre santé émotionnelle, surtout ici, hein, d'accord? Alors, si ce n'est pas pour vous, c'est que, bon, peut-être vous n'êtes pas tout à fait concerné, mais ça pourrait être pour quelqu'un dans votre environnement. Mais pour d'autres ici, donc je répète un peu ce que j'étais en train de dire par rapport à ces deux combinaisons de cartes qu'on retrouve également là, bah, il y aura la fin et le début de quelque chose par rapport à un accord, par rapport à une association, un couple, une situation, voilà. Ça pourrait également ici nous parler, pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être il y avait eu un projet de voyage de noces, voilà, un projet de voyage romantique entre vous et quelqu'un pour un couple officiel, des jeunes mariés, mais ce voyage-là pourrait être retardé ou complètement reporté, donc vraiment peut-être aussi annulé pour certains d'entre vous. Voilà, voilà ce que je pourrais voir ici, peut-être parce que possiblement la destination ou le pays destination, peut-être il y a eu un problème, voilà, pour ce qui se passe actuellement, ou il y a un possible risque de confinement, ou il y a des choses de ce genre. Mais d'une manière générale, c'est qu'on brise finalement un cycle, peut-être pour certains un peu douloureux émotionnellement parlant. Voilà un peu pour le côté général, donc on va passer tout de suite à tout ce qui est sentimental et relationnel. Déjà, on va commencer, alors je regarde un peu, il est là, on va commencer avec l'oracle coup de cœur, et puis après on va faire notre tirage pour le tarot. Allez, on va voir ce qui ressort ici avec cet oracle là pour la semaine à venir. Alors, les énergies d'amour pour la semaine à venir. Alors, la cigogne, la santé. Alors, peut-être ici, on va nous parler d'une santé, hein, de la santé d'une situation. La santé plutôt, peut-être, peut-être ici, dans un cadre de grossesse, encore une fois, mais ça pourrait nous parler d'une situation qui pourrait être un peu irrégulière. Donc, peut-être ici, il y aura une analyse d'une situation dans laquelle il y a eu peut-être un projet, un déménagement. Vous êtes en train ou vous allez être dans cette optique un peu d'étudier, voilà, d'étudier la situation, le pour et le contre. Peut-être parce que, bon, les circonstances, les prix, les modalités, mais moi, je sentais que c'est peut-être lié à une situation de déménagement ou de vie commune entre vous et quelqu'un. Ce n'est pas un déménagement, voilà, ce genre de projet qu'on fait avec, voilà, c'est ce que je sentais. Donc, soit une vie commune carrément entre vous et quelqu'un, ou peut-être un projet de déménagement. Peut-être le fait de déménager pour être prêt ou proche, hein, de la personne en question, de la personne dans votre cœur. Peut-être aussi une situation qui concerne un peu la famille. Avec cette carte-là, ça pourrait un peu nous indiquer qu'au bout d'un moment, il y a eu une situation qui a pu être tendue, d'accord? Alors, le fameux retour. Alors, le retour d'une situation, le retour de quelqu'un, le retour de communication. Alors, ici, avec ces deux cartes-là, c'est que je dirais qu'il va y avoir une possible réconciliation entre vous et un membre de la famille, entre vous et quelqu'un, entre vous et votre, par exemple, la personne dans votre cœur. Il y a cette idée ici de se retrouver peut-être après une période de crise, une période difficile, une période, encore une fois, comme j'ai appelé ici, un peu irrégulière. Il va y avoir des leçons ici qui vont être tirées par rapport à une expérience récente, d'accord? Peut-être une situation qui revient, voilà, parce qu'il y a quelque chose encore à tirer dans cette expérience. Peut-être on est censé, on va être invité d'une manière directe ou indirecte à regarder les choses autrement, un changement de perspective. Peut-être ici, il y aura un pardon, hein, entre vous et la personne en question. En tout cas, il y aura une chance cette fois-ci pour un peu sauver une situation qui a pu être tendue, qui a pu causer des tensions, qui a pu causer un manque ou un problème de communication entre vous et quelqu'un,
ou entre vous et la famille surtout, hein, voilà. Mais aussi, j'ai cette idée d'un engagement, d'un accord qui va être scellé encore une fois entre vous et quelqu'un. Alors encore ici, moi, j'insiste sur l'idée d'un déménagement, ou tout simplement, si ce n'est pas un déménagement, ça pourrait être un accord entre vous et quelqu'un que peut-être vous considérez proche de vous, hein, si ce n'est pas carrément votre partenaire ici. Mais il y a la possibilité d'un retour de situation pour pouvoir avancer, voilà. Alors, on va voir ici avec le tarot, du coup, ce que ça pourrait nous donner cette fois-ci. Alors, on va voir ce qui se passe actuellement et comment tout ça va évoluer sur la semaine à venir, les semaines plutôt, et pourquoi pas les mois à venir. Alors, en tout cas, pour les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche dans la vidéo, mais également, vous avez mes coordonnées dans la description. En dessous de toutes les vidéos, voilà. L'énergie de l'amour pour la semaine à venir. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment ça va évoluer? Alors, encore ici, on a cette personne et qui... avec cette carte-là, il va y avoir... C'est peut-être déjà le cas, moi, j'ai l'impression, hein, cette idée de se protéger, de sentir qu'on doit se protéger ou peut-être se défendre, défendre sa relation, défendre son opinion, d'accord? On va voir, alors là, on a deux cartes d'harmonie quand même, deux cartes de guérison, deux cartes qui invitent un peu à regarder, hein, la situation d'une manière positive, ou en tout cas de chercher ce qui est positif dans la situation. La tempérance avec l'étoile, c'est une carte qui va nous parler de compromis, de réconciliation, de retour au calme, de retour à la paix après une période dans laquelle peut-être vous étiez... vous avez eu peut-être vos gardes... attendez, je cherche un peu l'expression proprement. Alors, je ne sais pas si c'est vous, ça pourrait être vous, hein, mais ça pourrait être aussi la personne en face de vous. Hein, si, voilà, peu importe, vous êtes ensemble ou c'est quelqu'un qui vous intéresse. Mais en tout cas, c'est une énergie d'une personne en particulier qui a tendance un peu peut-être de se bloquer parce qu'elle veut se protéger ou de se bloquer parce que ce n'est pas quelqu'un de nature conciliant, conciliante, vous voyez. Mais avec ces énergies-là, j'ai tendance à dire que ça va changer. Et là, au dos, voilà, on a l'énergie de conflit. Donc, tant mieux, hein, c'est bien d'avoir ces cartes-là. Parce que moi, je dirais, par rapport à une situation dans laquelle il y a un conflit récent, peut-être un conflit qui dure déjà depuis un moment, un conflit entre vous et vous-même, pourquoi pas, il y a la possibilité aujourd'hui d'arrondir les angles, de sauver la situation, de trouver des compromis, de trouver des solutions, de rentrer en dialogue, d'accord? Voilà, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici, hein, il y a des choses qui n'ont pas été révélées proprement. Alors là également, j'ai l'énergie de quelqu'un qui est possiblement dans cette idée de regret avec cette carte-là. Alors, soit on est dans le regret, soit peut-être ici, on contemple quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant. Ça pourrait être ici une énergie un peu d'ennui. Peut-être que vous avez déjà quelque chose à votre disposition, comme par exemple quelqu'un dans votre vie, comme par exemple un aspect de la relation qui vous ne satisfait plus aujourd'hui, quelque chose que vous cherchez, je dirais, alors attention, ne pas trop aussi, par exemple, vous laisser emballer par, voilà, chercher le parfait ou la personne parfaite ou la situation parfaite, parce qu'on sait tous, hein, le parfait n'existe pas, mais à cette idée ici, peut-être de contempler quelque chose qui n'est pas déjà existant. On ne l'a pas aujourd'hui. Par contre, là, attention, parce que ces deux cartes-là, ça peut nous parler de quelqu'un, par exemple, qui... Bon, encore, ça ne va pas trop résonner avec tout le monde, mais je le dis quand même. Ça pourrait être ici, je ne sais pas si c'est vous ou peut-être la personne dans votre cœur. Il est possible que la raison derrière ces conflits, la raison derrière un peu que vous soyez dans cette position de protection, c'est que peut-être votre personne, c'est quelqu'un, alors soit qui consomme de l'alcool ou quelqu'un qui a une dépendance, peu importe la dépendance, hein, ça pourrait être alcool, substance, autre ou autre chose. Genre, par exemple, le fait d'être dépendant au jeu de hasard, au jeu, voilà, genre loto, etc., peu importe. Mais il y a cette idée, en fait, de quelqu'un qui, je dirais, qui dépasse un peu les limites par rapport à un aspect de quelque part dans sa vie, et ça pourrait poser un problème. Et ça pourrait être ici quelque chose, une attitude, en tout cas, que cette personne, elle a pu garder
secrètement, discrètement, voilà, parce que peut-être, voilà, elle a peur de l'admettre, elle a peur d'admettre que elle est dépendante de quelque chose, elle a peur d'admettre, voilà, certaines choses finalement. On sait que c'est pas évident ce genre de choses, mais il y a quand même un message de ce genre-là avec ces cartes. Et je sais très bien que ça va pas parler à tout le monde. Mais si je continue dans ce scénario-là, donc il y a la possibilité maintenant de parler par rapport à un processus de guérison. Voilà, le fait de guérir, le fait un peu de décider peut-être de battre un peu ces dépendances émotionnelles aussi, tout ce qui est attachement, tout ce qui est pensée négative par exemple, tout ce genre de choses, hein, voilà. Parce que là ici, j'ai, si vous voulez, un manque de satisfaction liée peut-être à un monde de fantaisie, hein, un monde irréel, peut-être le fait vraiment d'être trop dans les nuages, voilà, ça pourrait être ça finalement, hein. Il y a quelqu'un qui est trop dans les nuages, qui a trop dans la tête un peu, qui a la tête un peu dans les nuages, hein, par rapport à sa vie sentimentale, quelqu'un qui cherche trop, genre une personne, voilà, qui doit impérativement correspondre à un genre par exemple de checklist, ça devrait être ça et ça et ça. Vous voyez? Et alors, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, mais j'ai un peu ça également avec ces cartes. Mais d'une manière générale, donc là, par extension, ce que les cartes-là, elles essayent de nous dire, c'est qu'il y aura la possibilité, eh ben, peut-être de mettre certaines choses au clair avec cette carte-là. Donc, tout ce qui est non-dit, tout ce qui est secret, tout ce qui est des choses qui ont été un peu cachées, voilà, peut-être il y avait un manque de communication, il y avait un problème, peut-être quelqu'un qui a du mal un peu à partager ses émotions, ses opinions, par peur, par un manque de confiance aussi, et pourquoi pas. Avec ces deux cartes-là, en plus, ce sont les arcanes, on a trois arcanes majeures ici, donc il y a la possibilité un peu de retrouver un équilibre par rapport à cette situation. Peut-être on va initier des choses, on va essayer de faire le premier pas, pourquoi pas. Il y a cette idée ici aujourd'hui, en tout cas, de si vous voulez, peut-être de lâcher prise, mais surtout parce qu'on a envie de se guérir, on a envie de retrouver l'équilibre, l'harmonie, possiblement entre vous et quelqu'un, ou entre vous et vous-même, hein, pourquoi pas. Ça pourrait être tout ce que j'étais en train de raconter ici, votre propre énergie. Donc vous, contre par exemple vos mauvaises habitudes, vos dépendances, vos façons de voir un peu les choses, votre ego ici également. Parce que cette carte-là, elle peut nous parler d'ego. Et cette carte, dans ce sens-là, elle peut nous parler d'inconscient. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, ces cartes-là sont magnifiques parce que ça peut nous parler finalement. Bon, ça pourrait peut-être, ça devrait passer par une période un peu chaotique, genre un conflit intérieur, le fait de ne pas trop savoir ben, ce qui se passe. Mais finalement, c'est le début de ce fameux processus de guérison parce que ça va tendre vers un mieux. Voilà. Jusqu'à la fin. Donc voilà pour vous, mes amis, par rapport à l'énergie de cette semaine. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien. Merci beaucoup aussi pour toutes les personnes qui commentent et qui likent les vidéos. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.